Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle balade. Cette fois-ci, on quitte les villes. En plus, c'est jour de grève, de manifestation. On est allé se mettre un peu au calme temporaire de la campagne rochelaise. On est dans l'agglomération. On est à une trentaine de kilomètres à l'est de La Rochelle, dans une commune que vous ne connaissez peut-être pas, mais si vous avez des amis qui ont bon goût, qui connaissent les beaux endroits, les belles caches, les belles niches, ils connaissent, c'est à Blameray. Blameray, on est allé entre Surgères au sud et puis Noyers-Mauzet au nord. Et qu'est-ce qui se passe dans cette petite commune qui a plus de mairie, qui a quand même des habitants, mais qui n'a plus de commerce? Le retour de l'épicier. On était venu il y a 2 ans voir Cédric qui lançait son épicerie troc. Tout le monde disait mais c'est génial, ça remet de la vie dans les villages. 2 ans après, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'était une bonne idée? En tout cas, aujourd'hui, et il vient toutes les semaines, il y a la queue et puis les gens ont pris goût à cette épicerie qu'il ouvrait pour un empire. Je vous propose qu'on avance et qu'on aille voir Cédric, son camion, et puis alors les clientes. Je connais beaucoup de petites épiceries de quartier qui aimeraient être fréquentées comme ça. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Cédric, tiens, je vous laisse ça une seconde. Bon, dites-moi, il y a 2 ans, vous avez fait le pari de venir poser un camion épicerie dans un village où il n'y avait plus d'épiciers. C'est ça. Pari réussi ou un peu de déception? Pas de déception, bien Bougez au contraire. Bougez pas trop les doigts sur le... Voilà, allez, voilà, comme ça. On va essayer de le poser. Pas de déception, bien au contraire. J'ai commencé, j'avais 32 communes. J'en suis maintenant à plus d'une quarantaine. Ouais. Avec des Juste clients. Avec ce camion? Alors, avant, c'était un petit camion. Celui-ci ouais. s'est agrandi d'1,50 m. Ouais. J'en ai profité pour installer une petite machine à café, histoire de créer du lien. Ouais. J'en ai profité pour mettre en place un banc de poissons. Ouais. Avec du poisson frais en arrivage quotidien. J'ai élargi effectivement la gamme. Produits fraîcheurs. Mais regardez, voilà. C'est vrai. On s'attendrait à avoir plutôt 3 boîtes de conserve qui se battent un peu en duel, toutes sèches. Dans une épicerie de camion d'autrefois, oui, effectivement. Aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Oui. Et avec les désirs de ses clients. Donc, on s'est modernisé. Ah, Cédric, vous me dites, vous faites 40 communes, mais il n'y a quand même pas 40 jours dans le mois. Comment vous vous organisez pour passer dans 40 communes oh, sur 30, on arrive 30 à jours? On arrive à passer, alors, une dizaine de communes par jour. Ouais. Du mardi au samedi. Ouais. On commence à 9h, 9h15 et on finit ouais. vers 18h, 18h30. Et on fait des petits arrêts d'une demi-heure, 45 minutes, une heure, tout dépend effectivement des endroits. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui vous passent des petites commandes en disant si la semaine prochaine, vous pourriez avoir des œufs de surgères ou je sais pas quoi, non? Ouais. Il y a effectivement des clientes qui m'appellent parce qu'elles veulent avoir des magrets un petit peu ouais. à l'avance parce que l'arrivage est un petit peu délicat. Une fois par mois, je fais des poulets fermiers, je fais des lapins effectivement locaux ouais. aussi. Donc là, tout à l'heure, à 13h, j'ai mon habitude de passer chez une cliente, lui faire une livraison à domicile. Donc oui, effectivement, les gens ont pris en 2 ans des habitudes, et j'ai envie de dire des bonnes habitudes. Alors, il y a de plus en plus de jeunes qui se sont mis en mobile comme ça pour aller servir les communes, le coiffeur, le boucher. Vous en croisez, vous en voyez, 2, 3 ans après, vous avez le sentiment que tout ça se tient ou c'est encore un peu fragile? Non, c'est pas fragile. J'ai effectivement une consoeur coiffeuse qui est dans les alentours ouais. de Puravaux, de Blameray et autres. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc non, il y a des gens pour qui c'est fragile. Mais je pense qu'à la base, il faut être volontaire, il faut vouloir s'investir. Ouais. Pas regarder la montre, on va dire. Peut-être que c'est une autre époque, une autre génération, mais en tout cas, c'est la mienne. Ouais. Et du coup, il faut savoir donner de sa personne, mais on n'a pas rien sans rien. Comme avant qu'on se sépare, est-ce que vous avez des rêves de sédentaire à dire « Oh, finalement, j'irais bien me mettre dans un quartier, à faire un Carrefour City, je ne sais pas quoi, moi. » Non. Non. Non, je Votre rêve s'arrête au camion. Mon rêve s'arrête en partie au camion. Ouais. Après, il y a peut-être un projet dessous, mais ouais. non, le rêve, c'est le camion. Et c'est vraiment la réalité de localité, du mardi au samedi, et ça se passe très, très bien jusqu'à présent. 2 ans après, Cédric est toujours aux commandes de son camion. Je vous propose d'aller voir ses clients, je vous récupère le micro. Voilà. Mesdames, bonjour. Oh, bah dites, il fait pas chaud, mais il paraît que le patron m'a mis en place un petit service de café. Oui. Mais il nous l'a pas offert. Oh bah alors, dis donc, c'est pour un bon d'achat supérieur à 50 euros. Bon, dites-moi, vous habitez cette commune, vous auriez pu être dans le désespoir, puis il n'y a plus de magasin, il n'y a plus rien, il n'y a plus de mairie, et tout à coup, il y a ce camion. Ça a fait du bien, ça a changé votre vie? Oui, bah, changer ma vie, peut-être pas quand même, mais mon quotidien un petit peu, oui. Ouais. Oui, non, c'est sympa parce que, c'est régulier, on peut faire confiance aux produits, ouais. okay, voilà. Et puis, nous, ça nous permet de nous retrouver. Alors, vous me disiez tout à l'heure, moi, je me suis fait des copines en arrivant. Vous connaissiez pas, ou peu? Oh, si, on est originaire de là, donc on se connaît pratiquement. Mais c'est vrai que dans les nouveaux arrivants, plus récents, il y en a des personnes qu'on connaissait pas, ouais. oui, qu'on a appris à connaître.
Alors, vous venez plus pour un acte militant, pour soutenir un jeune qui fait des trucs, ou vous venez parce que vous avez vraiment besoin, à un moment, il vous manquerait des trucs? Les deux. Ouais, ouais. Voilà. Par exemple, vous achetez quoi, vous, madame? Ce que j'ai besoin, les carottes. Ouais, légumes? Voilà, les légumes, ouais. Des paquets de gâteaux, du tapioca. Ouais. Il dit qu'il est proche des producteurs locaux, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis vous achetez quoi, vous? Même chose, un peu de viande aussi. Ouais. Légumes surtout, les fruits. Ouais. Oui, c'est très bien. Alors, j'ai une dame là qui est là, qui remue avec sa baguette. Venez voir. Alors, elle est l'amie. Alors, je le dis et j'en profite à l'antenne pour lui faire bonjour. Jeannie Gracieux, qui est un fou de nos reportages. D'ailleurs, merci. Vous êtes près de 10 000 à avoir regardé ce reportage que nous avons fait récemment sur la place des petits bancs à La Rochelle, le Manhattan de l'époque, puisque c'était là qu'on jouait à la bourse et qu'on faisait du change. Ici, que nenni. Mais le village est un village d'importance. C'est comment votre prénom? Léa. Léa, quand on arrive ici, on se dit, oh là là, il y a plein de belles vieilles maisons, beaucoup en ruines. D'ailleurs, il y a une rue qui s'appelle la rue des Murs. On croit qu'on voit que ça. Mais l'histoire s'inscrit à Blameray. Qu'est-ce qui s'est passé à Blameray? La structure du village. Ben, la structure du village, en fait, on a une rue d'en bas, une rue d'en haut, et au milieu, on a que des petites rues perpendiculaires qui sont comme un plan napoléonien. Ouais. Et au niveau de la chapelle, on a une rue qui tourne, et on était en fait avec des remparts qui étaient à cet endroit-là. Alors, c'est une commune historique qui est dans son jus. Elle a rien fait de sophistiqué. Oui, souvent, le mieux est l'ennemi du bien. On fait des villes surfaites pour les touristes et tout. Tandis que là, le village, il est dans son jus. Il faut soupçonner l'histoire derrière un hangar. Et quand madame disait, regardez, la rue d'en bas, c'est marqué là, on est bien, rue d'en bas. Alors quand on sait que Onis, c'est la plaine d'Onis, on est tout raplapla, et puis tout avait été remembré à l'époque, il y a un endroit où ça monte. Alors c'est quand même pas le Mont Blanc, mais ici ça monte, c'est à Blameray, il y a la rue d'en haut, et puis il y a la rue d'en bas. Bon. Ben, je vais vous laisser. Qui n'ai-je pas fait parler? Vous, madame, vous êtes heureuse dans ce petit village? Ah, mais oui, mais moi, très bien. Moi, tout va bien. Si on serait pas là. Et alors, rassurez-moi, il vous arrive quand même de temps en temps d'aller dans les grandes surfaces du monde de la consommation? Oui. Vous, c'est fini? Vous n'y allez plus? Non, je n'y vais plus. C'est parce que vous mangez moins ou? C'est là. Ah, tout est là, ça suffit au camion. Ouais. Vous voyez les amis qui pensaient qu'il faut quand même aller se faire des caddies à 100 €, 200 € toutes les semaines. On peut vivre autrement. À la radio, moi je dis qu'on peut s'en passer. Hein. Oui. C'est pas eux qui vont mener. C'est à nous de gérer. Voilà. Vous mangez moins, mais vous faites pas des nutris. Je mange pas moins. Je mange mieux. Mieux. Ouais. Et je fais voilà. Je fais... Même si c'est un petit peu plus cher, est-ce que c'est quand même non. peu de sens? Non, non, même pas. Non. Ouais. Non. Non. Et puis on garde et ça se garde et puis il y a une ambiance quand on fait des courses. Ouais. Voilà. Voyez les amis, ça tient qu'à vous, ça tient qu'à nous. Le bonheur est, j'allais dire, dans le pré. En tout cas, à Blameray, il est sur la place du village. Et ça a permis l'autonomie. À ma grand-mère qui ne sortait plus du tout et qui aujourd'hui, en fait, tous les mardis vient avec ma fille, donc son arrière-petite-fille, on est 4 générations, voilà, venir au camion et ma grand-mère ne sortait plus du tout. Donc aujourd'hui, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Donc merci Cédric pour ça. Merci Cédric, vous êtes le nouveau foyer du village, vous permettez aux gens de se rencontrer, vous leur permettez de manger raisonnablement, sobrement, localement, voilà. Et ben courage à vous, on se retrouve dans 2 ans. Merci. Alors attention, pas un camion 2 fois plus long avec des services sophistiqués qui ferait que vous auriez tué dans l'âme. Hein? Bon, voilà les amis. Ça s'appelle Blameray, c'est plein d'Onis. On était au cœur du pays du cognac à l'époque, donc il restait des traces de sous. Hein. Il y a eu des sous ici à un moment, mais le phylloxéra a un peu tout cassé. Mais la commune, en tout cas, est sereine. Et regardez, le sourire est dans les cœurs. Les arbres sont un peu monotones, c'est l'automne, mais le printemps arrive. Et le village va revivre. À très bientôt, les amis. On continue de suivre tous ces jeunes qui ont pris des initiatives pour vérifier que c'était pas que des bonnes idées, que c'était aussi peut-être la réalité de nos vies demain. À bientôt!